Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de course Leclerc, Action et Noz. Pour le retour de course Leclerc, j'ai pris une pizza aux 4 fromages et une pizza aux légumes grillés. Il faut que je la teste parce que j'ai jamais goûté celle-ci. J'ai pris les nouvelles chips paysannes de la marque Lay's. Un paquet saveur fromage du Jura et poivre noir. Un paquet saveur fromage frais, ail de Garonne et fines herbes. Et le troisième paquet, saveur oignon de Roscoff caramélisé. Il y avait une promo super intéressante dessus. Du jus multifruits que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'aime beaucoup parce qu'il y a 30% de sucre en moins. Et c'est cool car c'est beaucoup moins calorique. Deux paquets de gaufrettes roulées au chocolat au lait. Elles sont très bonnes. Des cubes de bouillon de légumes sans sel. Convient aux végétaliens. Pour le retour de course, Action. J'ai pris deux paquets de popcorn en snack. Un à la saveur pizza et un à la saveur paprika. Et ils sont adaptés pour les végétariens. Pour tester, j'ai pris les boissons saveur Twix, Snickers, Malteser. Les Kit Kat Chunky Black and White. Pour le côté non alimentaire d'Action, j'ai pris un lot de deux recharges d'absorbeurs d'humidité. Un verre qui est assez grand. Et j'ai beaucoup aimé les motifs. Puis les TP, c'est pas mal. Un coup de cœur non prévu. Une tirelire en forme de fusée. Ça va être trop beau en déco. Une ampoule LED déjà installée. Et pour finir, le retour de course de Noz. Un sachet de curry vert bio au haricot mango. C'est vegan. Des chips épicées. Normalement, ça devait passer à moins 34%, mais ils ont oublié. Deux bassines pour essayer de faire pousser chez moi de la laitue et du radis. Voilà, je ferai une vidéo sur ma chaîne, voire même plusieurs, et je verrai si ça fonctionne. Un paquet d'assortiment d'amandes enrobées de chocolat au lait et chocolat blanc. Trop bon.